الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الألباب والنهاء. وبعد، أحبابي الكرام، نجتمع وإياكم كعادتنا في ليلة الأحد لدراسة كلام الله سبحانه وتعالى، وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى آخر سورة النبأ. ما بقي لنا منها إلا الآية الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل الشروع في المقصود، نذكر إخواننا أو نذكر إخواننا بشيء مما سبق ذكره في هذا المجلس، منه أنه ينبغي على الحاضرين أن يلتفوا حول المتكلم ولا يتشعبوا هنا وهناك، إلا من كان له عذر ليسند ظهره إلى الجدار فعذره مقبول من غير أن يقدمه أو أن يبوح به. أما غيره فالمطلوب والمرجو منه أن يدنو مني. الأمر الثاني، وعليكم السلام، الأمر الثاني لمن كان معذوراً بإسناد ظهره إلى الحائط أن يجتنب إسناد ظهره إلى المكتبة حتى لا يباشر ظهره المصاحف الموجودة على الرفوف احتراماً لها. وبارك الله فيكم، لعل الحائط أريح إلى ظهرك من هذه الرفوف الصلبة. وكوني ما رأيت منكم تحركاً، لعلي أنتقل إلى ما يحرككم من لغة تفهمونها وهي أقرب إليكم. متخشي أخي، avant de commencer. Hein? Chinois? Ah, je parle pas le chinois. Je peux parler en anglais si tu veux. Un peu d'espagnol, mais je peux pas aller plus loin. Très chers frères, nous sommes donc dans la nuit du dimanche et nous nous réunissons dans cette mosquée afin d'étudier ensemble la parole du prophète alayhi salat wa salam. Non, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons, grâce à Allah, étudié ensemble la grande majorité du chapitre du Coran qui a pour titre la nouvelle, jusqu'à arriver au dernier verset qu'on va voir ensemble aujourd'hui, inshallah ta'ala. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler une série de choses qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans cette assemblée. Premièrement, j'aimerais que les personnes qui se trouvent face à moi, à ma droite et à ma gauche, ne s'éparpillent pas un peu partout dans la salle et qu'ils s'arrangent pour se rapprocher de celui qui s'adresse à eux, de l'entourer comme les étoiles entourent la lune dans le ciel la nuit. Et comme quand je l'ai dit en arabe, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont bougé, j'espère maintenant que ça va plus vous parler. Donc les personnes qui sont tout au fond là-bas, j'aimerais qu'elles se rapprochent au maximum, ainsi que celles qui sont à ma droite. Quant aux personnes qui ont mal au dos ou qui ont une excuse quelconque et ne peuvent pas, bien entendu, s'approcher, ils ne sont pas concernés par ce que je dis. Lui, là, pas toi, celui à côté de toi. T'as mal au dos, toi? T'es malade? Non, alors t'avances. Ton père, il est... je ne lui demande pas. Mais... non, non, okay, non. Ah, mashallah, regarde. Shafaqatan ala waladihi dana. Mais faut pas que tu te sentes mal. Après, si pendant le dars tu bouges, t'as mal au dos, c'est pas ma faute. Et on évite aussi de s'appuyer contre la maktaba où il y a les livres et le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté que Ishaq ibn Rahway, rahimahullahu ta'ala, un grand imam chez les salaf, est rentré chez l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. Et il avait dans les mains des parchemins dans lesquels étaient écrites des paroles des plus prédécesseurs, des compagnons et de leurs successeurs. Et il est rentré, il était fatigué, il revenait de loin, et il a jeté les parchemins sur une couche qu'il y avait par terre. Pas de sdadr, pas de canapé, pas de fauteuil, une couche qu'il y avait par terre. Et l'imam Ahmed, rahmallah, qui était assis par terre, il l'a vu agir ainsi, s'est énervé contre lui. Il lui a dit « Ahakada yuf'alu bi'aqwali s-salihin ». Est-ce que c'est ainsi qu'on se comporte avec la parole des salihin? Il n'a pas accepté qu'il la jette comme ça par terre. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de la parole du prophète et d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne la pose pas par terre et on ne s'appuie pas dessus. On la met haut
en hauteur pour montrer qu'elle a dans nos cœurs de la valeur. Taïb. Autre chose. لكن هذا الكلام لعله يفيدكم ويعنيكم كما أنه يعني غيركم وليبلغ الشاهد الغائب. J'allais dire autre chose en espagnol. شيء آخر وهو أن الداخل على الناس في المسجد وهم مشغولون بالإصغاء إلى الإمام أو غيره وهو يحدثهم لا يرفع صوته بالتحية وهو يدخل عليهم، هذا مما نص عليه الفقهاء في كراهيته، يعني يكره عند كثير من الفقهاء للداخل على الناس المشغولين بالعبادة أو بالاستماع إلى الدرس أن يقطعوه بالسلام، فليقتصر على دخوله أو بعد دخوله بالجلوس فقط. Autre chose qui est très répandue et que dont beaucoup de gens ignorent que c'est détesté chez beaucoup de savants, c'est quand on rentre à la mosquée et qu'on trouve les gens préoccupés par la lecture du Coran, le dhikr, la prière, ou encore le fait, comme c'est le cas actuellement, d'écouter un cours, de ne pas les déranger en leur passant le salam. En leur passant le salam. Et ils rentrent et ils s'assoient. Hatta Ibn Muflih, Al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, fi kitabihi, الآداب الشرعية يذكر مواطن تسعة يكره فيها أن يرفع الرجل صوته بالسلام على المشغول بإحدى هذه الأمور التسعة، ولا أحفظ هذه الأبيات لعلي أتيكم بها لاحقا إن شاء الله تعالى. ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى dans son livre الآداب الشرعية il ramène 9 cas dans lesquels il est détestable de d'élever la voix avec le salam pour saluer donc des personnes qui sont occupées dans, par un de, une de ces 9 choses-là. Par une de ces 9 choses-là. Et il a même ramené un poème où il réunit ces 9 cas. Et parmi ces 9 cas-là, le fait de lire le Coran, ou bien de faire la prière, ou bien d'écrire le hadith, ou de l'écouter, et d'autres cas encore. Autre chose, je vois que les jeunes d'aujourd'hui, mashallah, ils ont les cheveux longs. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont les cheveux longs. كان هذا الأمر مكروها عند السلف. كان الشافعي رحمه الله تعالى لا يقبل من غلام لم يبلغ الحلم أن يجلس أو أن يحضر مجلسه وشعره طويل. يأمره بأن يحلق رأسه ثم يعود فيجالسه. وهذا منصوص عن كثير من الأئمة، فلعل الإخوة يظنون أن اتخاذ الشعر من السنة، وهذا تكلمنا عنه في درس الشمائل. والأفضل في حق الأطفال لا سيما الغلمان، يعني أعني بهم الذكور، ألا يتخذوا الشعر حتى نعرف أنهم ذكور وليسوا إناثا. Autre chose pour mes chers petits frères. T'as quel âge toi? 7 ans. D'accord. Et toi, t'as quel âge? Toi, 12 ans. D'accord. Ah, Haroun, il se cache derrière son père. On s'en va, Haroun, il a une belle coupe. Les salafs n'acceptaient pas dans leurs assises la présence de petits garçons quand ils avaient les cheveux longs. Parmi eux, Mohammed ibn Idris الشافعي رحمه الله تعالى. Par exemple, il disait à toi là, tu vas te couper les cheveux et tu reviens. Bon, bien sûr, on ne va pas te dire ça aujourd'hui. À toi non plus. Mais c'est une chose qui n'était pas appréciée chez les plus prédécesseurs. Les cheveux longs, c'est pour 2 catégories de personnes. Les femmes et les hommes avec des barbes. Si tu n'as pas de barbe, tu n'as pas de cheveux longs. Pour ne pas qu'on te confonde avec une fille. Et il faut savoir aussi que dans Kutub al-Fiqh,
On a ma yusamma bil amrad, bil dal, mouche bil dad. Ta'arifoun, man hum ul amrad? Al amrad, jam'u murd, ou jam'u murd, na'am, wa huwa alladhi lam tanbut lihyatuhu ba'd. Wa huwa alladhi lam tanbut lihyatuhu ba'd. فكان الفقهاء اسمعوا هذا جيدا فكان الفقهاء يطبقون في الأمراض من الأحكام ما يطبقونه في النساء من عدم جواز الخلوة بهم وما يتعلق بهذه الأمور chez les fuqaha dans les livres de fiqh on a ce qu'on appelle Al-Amrad. Al-Amrad, ce sont les imberbes. Ça fait référence aux enfants qui ne sont pas encore pubères. D'accord ? Et sachez que les fuqaha appliquaient, en ce qui concerne les imberbes, les mêmes règles qu'ils appliquaient aux femmes. Dans quel sens ? Leur demandez pas de mettre le hijab, non. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le fait de s'isoler avec eux, La crainte qu'on peut avoir en s'isolant avec une femme peut être la même qu'on peut avoir en s'isolant avec un jeune garçon qui n'est pas encore pubère. Hana liyom hada rubama qad yas'ubu ala al'aql an yaqbala mithla hada aw an yadhunna wuqu'ahu mumkina lakin fi sabiq al-ayyam kana hada من الفتن التي تجر الناس إلى الوقوع في المصائب. Aujourd'hui, au 21e siècle, avec l'évolution des mœurs, les gens voient les choses différemment. Ce genre de paroles que je vous donne peuvent paraître étranges et difficiles à accepter. Mais avant, ce n'était pas la même chose. Et c'est ce genre de règles qui ont été appliqués pour fermer la porte à un mal possible et ne pas négliger certaines choses qui vont pousser des gens à tomber dans des catastrophes et après ce sera trop tard. وكثيرا ما نسمع اليوم وقد حدثني احد الاخوه وهو الان في احدى البلدان الاسلاميه ان غلاما صغيرا قد وقع عليه شيخه في المسجد فهذا أمر يقع وإن جعل الناس أصابعهم في آذانهم كأن هذا لا يمكن وقوعه لا هذا غير صحيح فلذلك لا بد من ذكر مثل هذه الأمور حتى يكون الناس على علم ومعرفة وحتى لا يكون من الغافلين في مثل هذا فيقع المحظور ويدعو الناس بالويل والثبور في وقت لا ينفع فيه التحسر أبدا. Donc ce genre de règles-là n'a pas l'habitude de les entendre. Et c'est un problème d'ailleurs. Parce que malheureusement, on ne les entend pas. Et le jour où ça arrive, on dit Subhanallah, comment est-ce que c'est possible? Et Wallahi, c'est possible. Et ça arrive dans des pays musulmans, dans des mosquées avec des imams et des jeunes enfants. Donc oui, ça arrive. Et c'est quand on n'en parle pas que ça arrive. Et c'est quand on en parle pour que les gens fassent attention que bi-idhnillah, ça n'arrive pas. Que bi-idhnillah, ça n'arrive pas. Wala hawla wala quwwata illa billah. C'est pour ça que ansahu ikhwani alladhina lahum abna wa yuhibbuna an yakuna sha'ruhum tawilan alla yaltafitu ila mithli hadha wa an yakuna وأن يكونوا كغيرهم من الغلمان في هيئة شعرهم والله أعلم. C'est pour cela que je profite de l'occasion pour adresser un conseil à mes frères qui ont des enfants, des garçons de jeune âge, en bas âge, pardon. Même si on sait que beaucoup de gens apprécient cela, ils trouvent ça joli, c'est joli, un garçon avec. Moi, je me rappelle, si chez Sanawat, avant, un frère que je connais, il avait un fils. Il avait des cheveux longs, il mettait des barrettes. Il dit le frasoul, qbat. Qu'est-ce qui manque? Tu veux pas qu'Adel Wald grandit en. Il hisse rasoul, c'est un homme? Non. Il lui mettait des barrettes. Je lui dis pourquoi tu mets des barrettes?
dit parce que ma mère elle aime bien quand je mets des barrettes. Ben pourquoi tu mets pas des couettes? Yalla dalek le gouroun, yalla alash la. Comme salam, tu mets des couettes et tu fais des comment ils disent, je connais pas moi. Al muhim, ils mettent des petits nœuds roses. Allez, on va jusqu'au bout. Là, là. Le garçon, c'est un garçon, la fille, c'est une fille. Le garçon, il aime bien jouer avec des voitures, la fille, elle aime bien jouer avec des poupées. Le garçon, il aime bien courir partout, sauter partout, la fille est dans son coin en train de jouer avec ses poupées. Ils sont différents, ils sont différents. Allah, il les a créés comme ça. Voilà, ils s'adzakaru kal-untha. Donc, on les laisse grandir, que le garçon, il grandisse en sentant qu'il est un homme. Son père, il le prend avec lui, le ramène avec lui, il le fait s'asseoir avec les hommes. Bah, il grandit en tant qu'homme. Et la fille reste avec sa mère, elle reste avec des femmes, elle grandit en tant que femme. Et chacun, il aura sa place dans la société et tout se passera très bien. À partir du moment où les hommes ont quitté leur place et les femmes ont quitté les leurs, on s'est retrouvé dans ce qu'on est aujourd'hui. N'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Taïb. Ah. Taïb. Al-akh yas'al. عن حكم الاستئذان أثناء الدرس لمن راغب أن يجدد وضوءه، هذا من الأدب ألا يقوم الحاضر إلا بعد إذن المتكلم، هذا من الأدب وهذا مطلوب. وأنا في الحقيقة لا أحتاج إلى استئذانكم، من أراد أن يقوم ليقضي حاجته فليفعل، لكن لأجل أن يتعلم الناس آداب المجالس نفضل منكم هذا الأدب، كما أننا لا نؤاخذ من لم يستأذن فيقوم، فمن استأذن آذنا له طبعا، ما يقع على خطرنا أننا نقول له اجلس ولا يجوز لك القيام ولا الانصراف، تبقى معي شئت أم أبيت ورغم أنفك، لا، لكن من أجل أن يتعلم الناس حتى يعرف الناس كيف يجب عليهم أن يتأدبوا في حلق العلم، وهذا من تعظيم العلم قبل أن يكون من احترام المتعلم. يقول تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. هذا ما أمر الله تعالى به رسوله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، فهذا هو من الأدب. فأنا أسمح لمن يريد الانصراف والقيام قبل أن يستأذن، غير أني أفضل رغم كل شيء عليكم سمينكم هذا الاستئذان لأجل أن يتعلم الجاهل وأن يتنبه الغافل وأن يتذكر الناس. Frère, il demande sur un comportement qu'on doit avoir durant les assises. Chose qui arrive souvent, les gens veulent se lever et partir. Soit ils veulent sortir carrément, partir à l'extérieur, ou bien ils veulent aller faire leurs ablutions. Est-ce qu'on demande la permission avant de se lever? Donc sachez, mes très chers frères, que parmi le comportement à adopter durant les assises de science est de demander la permission avant de partir. Allah en fait, il fait référence dans le Coran. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie que les croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui lorsqu'ils sont avec lui dans une affaire qui les réunit, ils ne se lèvent qu'après avoir demandé. Ceux qui te demandent, ce sont eux qui croient en Allah et en son messager. Donc lorsqu'ils te demandent la permission de partir vaquer à leurs occupations, autorise-leur et implore le pardon d'Allah Ta'ala pour eux. Donc moi, bien entendu, je vous accorde ma permission sans aucune hésitation, sans que vous ayez besoin de me la demander. Jamais un frère me dira, est-ce que je peux partir? Je dirai non, tu restes, que tu le veuilles ou non, je m'en fiche. Je ne dirai pas ça. Le fait est que on a besoin d'apprendre ces choses-là. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure pour le salam. Après, Allah, les frères, ne venez pas me voir avec des paroles de savants qui disent, ahri, on est au courant de ces choses-là. Je n'ai pas dit un ijma', un qati' sur cette mas'ala. C'est une mas'ala sur laquelle il y a qa'a fiha al-khilaf. Lakin, alladhi
ندين الله تعالى به وعليه أكثر الفقهاء هذا. On est au courant de cette divergence-là, on a déjà lu les paroles des deux autres savants qui ont un avis différent. Là n'est pas la question. La question est que dans l'assise de celui avec qui tu t'assois, tu dois respecter son avis. Dans le fait de passer le salam quand tu t'installes, ou dans le fait de partir, afin qu'apprenne l'ignorant et que se réveille l'inconscient et que se rappelle celui qui oublie. Autre chose par rapport au comportement des assises, les questions, gardez-les pour la fin. Je sais que moi, je n'arrive pas à vous dire non. Et ils vous ont joué d'ailleurs. Dans Sahih al-Bukhari, le Bukhari, rahimahullah, il rapporte que لا أذكر بالضبط عنوان الباب يعني لا يسأل المتكلم إلا في حينه يعني في وقت متعين. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, on ne pose pas de questions à celui qui s'exprime, si ce n'est dans un moment précis, voulu. والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يكلمهم وإذا بأحدهم يقوم ويقول يا رسول الله كذا كذا يسأله سؤالا عليكم السلام فلا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيبه كأنه غير موجود كأنه غير موجود لا يكاد يبين ولا يرى فإذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه التفت إليه أو إلى الناس وقال أين السائل آنفا فيقوم السائل ويقول ها أنا ذا يا رسول الله فيقول له ما سؤالك فيطرح سؤاله ويجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالسؤال محله آخر الدرس وإذا خفت أن تنساه فخذ ورقة صغيرة واكتبها أو اكتب سؤالك عليها حتى لا تغفل عنها وأخرج ورقتك في وقت الدرس كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينام على عتبة باب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعات ينتظر خروجه من البيت لأجل أن يسأله سؤالا واحدا وهذا منقول أيضا عن ابن القاسم رحمه الله أكبر تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرافق الإمام مالكا من خروجه من المسجد إلى بيته وينام أمام باب بيته ويستيقظ عند خروجه يعني خروج الإمام إلى المسجد فهو آخر من يفارقه في الليل وأول من يلتقي به في النهار وهكذا بضعة الله أكبر وهكذا بضعة عشر سنة مش يوم ولا يومين لا سنوات les questions doivent être posées à la fin pas pendant le cours. Moi, je vous vois, je vois vos yeux, vos visages, j'ai du mal à vous dire non, je ne sais pas dire non. Alors, je vous réponds. Surtout quand c'est Kibar Sin. Nahshem n'goulhum l'ahshouma. Walakin, ce n'est pas un comportement non plus. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre qui s'appelle Kitab al-Ilm. Kitab al-Ilm. Et dans ce chapitre-là, il y a beaucoup d'ahadiths et de sous-chapitres qui parlent du comportement à avoir dans la demande de la science. Et parmi ces chapitres-là, il y en a un qui dit qu'on ne pose pas des questions, si ce n'est à un moment précis. Et parmi les hadiths qui sont cités dans ce chapitre-là, de nombreux hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en présence de ses compagnons, il leur parle. Et il y en a un qui se lève et qui interrompt le prophète pour lui poser une question. Et le prophète alayhi salatu wa sallam ne lui répond même pas. Il ne se tourne même pas vers lui, comme s'il n'était pas là, comme s'il était invisible. Et il continue de parler. Alors l'homme, il a vu qu'on n'a pas prêté attention à lui, il s'assoit et puis il attend, il ne dit rien. Quand le prophète il a fini de parler, alors il se tourne vers les gens, il dit, qui a demandé tout à l'heure, qui a posé une question tout à l'heure? Alors l'homme, il dit, me voici, ya Rasulallah, et puis il pose sa question, après tu lui réponds.
Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est quand même un des plus grands interprètes du Coran dans la communauté, vous croyez qu'il lui a reçu la révélation? Lui, c'est pas un prophète, c'est un homme comme vous et moi. Et cette science qu'il a puisée, il a été la chercher. Et on rapporte de lui qu'il a dormi sur le pas de la porte d'un homme pendant de longues heures à attendre que celui-ci sorte de chez lui pour pouvoir l'interroger. Et quand il a ouvert la porte, il a vu Ibn Abbas en train de dormir devant chez lui. Il lui a dit, pourquoi t'as pas frappé? Tu m'as pas demandé? Il a dit, non. C'est pas une heure où on vient voir les gens. J'ai attendu que tu sortes. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, li yasta'zinkum alladhina malakat aymanukum, walladhina lam yablughu alhuluma minkum, thalatha marrat. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم إلى آخر الآية. Dans ce verset, Allah nous ordonne de ne pas rentrer chez les gens comme ça inopinément, mais de demander l'autorisation. Ça concerne deux catégories de personnes. Ce sont les esclaves et les jeunes enfants qui, eux, peuvent rentrer chez les gens sans problème. Mais malgré tout, il y a trois moments dans la journée où ils doivent demander la permission. Avant le Fajr, al-Dhuhr et après al-Isha. Ce qui signifie aussi qu'on doit demander la permission avant de rentrer chez les gens. Ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Donc comme tu demandes la permission avant de rentrer chez les gens, de la même façon, tu ne peux pas aller chez eux à n'importe quelle heure. Tu ne vas pas frapper chez quelqu'un à 23h pour lui demander du sel. Tu vas lui jeter dessus la salière s'il fait ça. Eh bien, dans l'ilm, c'est pareil. Tu attends le bon moment pour poser la question. Ibn al-Qasim, al-Misri, rahimahullah ta'ala, qui était l'un des plus grands élèves de l'imam Malik, sahib al-Mudawwana, pour ceux qui connaissent les kutub de l'imam Malik, rahimahullah, ou bien du madhab maliki, il est resté presque une vingtaine d'années avec l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. C'était le dernier à l'accompagner de la mosquée jusqu'à chez lui. Il ne laissait passer aucune seconde où il pouvait profiter de lui. Il était toujours avec lui. Et quand l'imam Malik quittait la mosquée pour rentrer chez lui, c'est lui qui l'accompagnait jusqu'à chez lui. Il était le dernier à le voir quand il rentrait chez lui le soir. Et il dormait devant sa porte. Pas une nuit ou deux. Pendant des années, il dormait devant sa porte. Donc pour quelle raison? Comme ça, le lendemain matin, Al-Fajr, quand l'imam Malik sort de chez lui pour aller à la mosquée, eh ben c'est lui le premier à pouvoir accompagner l'imam Malik à la mosquée. À la kulli hal, on sait qu'il y a plein de questions qui se bousculent dans notre tête et qui nous brûlent les lèvres. Lakin, esbir. Souviens-toi de ce que le Khadir a dit à Moussa alayhi salam. Il lui a dit quoi? إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. يعني صفتان لا بد منهما في نفس طالب العلم: الصبر والطاعة. الخضر il a dit à Moussa, qui est venu lui demander de lui enseigner la science qu'Allah lui avait donnée, Salam, il lui a dit, Al-Khadir, tu ne pourras pas patienter avec moi. Et comment tu patienterais face à des choses que tu ne connais pas? Alors, Moussa lui répond, tu me trouveras, si Allah le veut, patient. Et je ne te désobéirai dans rien. Deux choses tu as besoin si tu étudies. La patience et l'obéissance. Et c'est seulement ainsi que tu rempliras ta poitrine, alaykoum salam, de science. Idhan, isbiru. وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة النبأ إنا أنذرناكم عذابا قريبا. هنا توقفنا في الدرس السابق أليس كذلك؟ أجيبوا ما كنتوش حاضرين؟ طيب ما أضعف أصواتكم؟ والمعروف من ما يتميز به الرجل عن المرأة قوة الصوت ولا لا؟ ما شاء الله. La semaine dernière on s'est arrêté au verset l'avant-dernier, du moins le dernier verset de sourate An-Naba,
qui commence par Inna anzarnakum azaban qariba. Nous vous avertissons. Nous vous avons averti d'un châtiment proche. Donc s'arrêter là. بعدها يقول تبارك وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر, يوم هذا اليوم الذي سبق ذكره قبل آيات, إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا اليوم يوم القيامة, يوم الفصل, يوم الحشر. في هذا اليوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ينظر المرء ما قدمت يداه, والفعل نظر باعتبار ما يتعدى إلى مفعوله به له ثلاث معان في القرآن. نظر هو إذا تعدى بغير حرف بمعنى تأمل, بمعنى عفوا, بمعنى انتظر, بمعنى انتظر ماذا؟ أي نعم. ونظر في بمعنى تأمل وتفكر, ونظر إلى بمعنى أبصر, بمعنى أبصر. هذا في بصفة عامة, وفي بعض الأحيان يجوز أن يحمل الفعل أو أن يحمل الفعل معنى غير هذا ولو تعدى بما تعدى به. En arabe, on a le verbe نظرة. نظرة, comme c'est le cas dans le verset ici, نظرة ينظر. Nadara yanzuru. Ce verbe-là aura trois sens possibles en fonction de la préposition qui servira à sa transition. Qu'est-ce que ça veut dire? On a des verbes transitifs et des verbes intransitifs. Le verbe transitif est un verbe qui, dont le sens est complété par la présence d'un complément d'objet direct. Et quand il a besoin d'un adverbe, on a un complément d'objet indirect, le COD et le COI. Hein? Et en arabe, on a le verbe qui n'a pas besoin de complément du tout. Donc, nadara, en fonction de ce qui va compléter son sens, aura trois sens possibles. Soit attendre, donc nadara et intadara auront le même sens, qui veulent dire attendre. يقول تبارك وتعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة, يعني ينتظرونها. Attendre l'heure. Deuxième sens, là c'est dans, lorsque le verbe n'a pas besoin d'adverbe. Nadarahu. Si jamais on dit nadara fi, comme قوله تعالى وكذلك نري, non c'est pas ça. في الأعراف في آخرها يقول تبارك وتعالى هل ينظرون في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض, هذه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله. نظر في signifie réfléchir, méditer, observer, comme on dirait en français. C'est-à-dire, c'est une vision qui a pour but de faire naître la réflexion. Et le troisième, donc cela, c'est nadara fi. Et le troisième, c'est nadara ila, vers, ce qui veut dire voir, regarder. Ça, c'est en général. Ce qui signifie que dans certains cas, le verbe, même s'il ne sera pas accompagné de l'adverbe qu'on a cité, peut avoir un autre sens. C'est en général. Ici, Allah dit, yawma yanzurul mar'uma قدمت يده. المرء, c'est l'homme, le masculin de
مرأة وامرأته حمالة الحطب إلا امرأته قدرناها من الغابرين وامرأة فرعون إلى آخره. امرأة من فام امرؤ أنا المرء المرء بيان سور ici يراد به الجنس لا النوع si on fait référence à l'homme avec un grand H c'est-à-dire l'humain ce n'est pas seulement l'homme qui est visé ici mais bien entendu la femme aussi. يوم ينظر المرء ما هنا اسم موصول اسم موصول بمعنى الذي. يوم ينظر المرء ما أو ينظر المرء الذي قدمت يداه. Le jour où l'homme, la personne, l'humain, verra ce que ses mains ont avancé. Ce que ses mains ont avancé, min a'mal. Hasanatin wa sayyi'atin. Bonne comme mauvaise. Qala ba'du al-mufassirin, al-maqsoudu bil-mar'i huna, al-mu'minu duna ghayrihi. لأنه هو الذي سيحاسب على أعماله كلها. لماذا؟ لأن غير المسلم لا حسنة له حتى يحاسب عليها، ليس له من الخير شيء. وأما العمل الخير، أما العمل الحسن الذي فعله في هذه الدنيا فجازاه الله تعالى عليه في هذه الدنيا، أما الآخرة فلا خلاق له فيها ولا نصيب. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لا شيء غير ذلك. وقال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق لا شيء في الآخرة. والواو العاطفة التي تأتي بعد ذلك تقتضي الانفصال بين الجنسين، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، مما يفيد التغاير بين الاثنين. المرء donc on a dit la personne l'homme l'humain donc c'est indéfini ça peut être un croyant comme ça peut ne pas en être. Cependant certains mufassirin ont compris du verset qu'il s'agissait seulement des croyants dans plusieurs cas, de plusieurs choses. Premièrement, Allah a dit que cette personne-là verra ce jour-là ce qu'il a accompli comme action, ce que ses mains ont avancé, ce que ses mains ont accompli ici-bas, et donc ce qu'il retrouvera le jour de la résurrection. Tout ce qu'il a fait comme action, bonne comme mauvaise. Et il n'y a que le croyant qui retrouvera ses bonnes actions dans l'au-delà. L'autre n'aura aucune bonne action dans l'au-delà. Il n'a pas de bonnes actions pour les retrouver dans l'au-delà. Tout ce qu'il trouvera dans l'au-delà, c'est le châtiment qui lui est réservé. Allah a dit dans le Coran, celui qui désire ce bas monde et sa parure et sa beauté, nous le rétribuerons pleinement ici-bas. C'est-à-dire que cette personne-là, tu vas me dire, mais il y en a qui font du bien. Hein, un tel et un tel qui font du bien, qui donnent l'argent, qui donnent aux pauvres et qui s'occupent d'eux. Eh bien, eux, le bien qu'ils font, Allah, il les rétribue pour ce bien-là, ici-bas. Ils sont récompensés pour le bien qu'ils font, ici. Allah dit, nuwaffi a'malahum fiha. C'est ici-bas qu'ils seront rétribués pleinement pour leurs actes. Wahum fiha, c'est-à-dire ici-bas, la yubakhasoun, ils ne seront pas lésés. Après, Allah dit, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Voici ceux qui n'auront rien d'autre dans l'au-delà que l'enfer. Dans notre verset, Allah dit
Et il y a des gens qui disent, « Oh Allah, donne-nous ici-bas. Rabbana atina fid dunya. » Et dans l'au-delà, il n'aura aucune part. Voilà, rien. Dans notre verset, Allah dit, « Celui qui veut le champ de l'au-delà, nous lui rajouterons à son champ. Et celui qui veut le champ d'ici-bas, nous lui en donnerons une partie et il n'aura aucune part dans l'au-delà. » Donc le jugement qu'on parle de hisab, la manata kallam ani le hisab, fi le Qur'an et le hadith, هذا في حق المؤمن أن أعماله كلها توضع على كفتي الميزان ويحاسب إما حسابا يسيرا أو حسابا عسيرا. أما غير المسلم هذا لا فائدة في مثل ذلك في حقه، وإنما سيسأل سؤال توبيخ ومعاتبة. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسألون ماذا أجبتم المرسلين، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى آخره. أما حساب دقيق بحيث يسألون عن كل عمل عملوه في الدنيا فلا، لا حق لهم في ذلك، إذ لا حسنة لهم. Vous savez, quand on parle de jugement dans les textes, quand on parle de jugement précis et minutieux, ça concerne le croyant, pas les autres. Parce que ce sont eux qui ont des actions de différents types qui doivent être examinées et pesées dans la balance. Quant aux autres, ils n'ont pas de bonnes actions. Allah, il n'a accepté aucune de leurs actions bonnes ici-bas. Aucune. Allah dit dans le Coran, « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » wa yaqul, « Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu » On accepte que de la part des pieux, pas des autres. On n'accepte pas leurs actions. Donc eux, leurs bonnes actions, ils sont rétribués pour elles ici-bas et pas dans l'au-delà. Donc ils ne verront pas leurs actions examinées précisément et avec minutie et pesées dans les balances, comme ce sera le cas des croyants. Par contre, ils seront interrogés de façon générale, sur les principales causes de leur perte, qui sont le fait d'avoir adoré autre qu'Allah, d'avoir refusé de suivre les prophètes et messagers, et ainsi de suite. Donc ici, يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ, celui qui verra et celui qui aura l'occasion de voir ce qu'il a fait comme action, ça peut être que le croyant. Parce que lui, il a des actions qu'il peut voir, contrairement à l'autre. وَمَا قُلْنَا إِسْمُ الْمَوْصُولٌ وَلِسْمُ الْمَوْصُولُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ يُفِيدُ الْعُمُومِ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ. يقول تبارك وتعالى يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرْ. Ce jour-là, l'être humain sera informé sur ce qu'il a avancé, ce qu'il a mis en avant comme bonnes actions, ou akhar, et reculé, c'est-à-dire ce qu'il a mis en arrière comme mauvaises actions. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Tout ce qu'il a fait. جَمِعْ مَا فَعَلْتَهُ مِنْ أَعْمَالٍ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا تَرَاهُ يُعْرَضُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَقَامِ Al-Mahib, tout ce que tu as fait comme action, tu le verras ce jour-là. Toutes tes actions te seront présentées et exposées. Tout. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa qulna anna Allah tabaraka wa ta'ala fi hadha al-yawm al-azim
سيبعثون خلائق كلها من إنس وجن وطيور ووحوش وبهائم وحيوانات وحشرات ومما لا نعلمه من مخلوقات. وهذه الحيوانات يحاسبها الله تبارك وتعالى أيضا، فيقتص للشاة الجماء على الشاة القرناء التي نطحتها، يعني يعطي للمظلومة منها حقها من التي ظلمتها. سمعنا جديد précédemment que ce jour-là, le jour de la résurrection, le jour Allah rendra vie aux créatures, ne concerne pas seulement les êtres humains et les djinns, mais c'est beaucoup plus général que cela. Et ça concernera aussi les créatures, quelles qu'elles soient, les oiseaux et les bêtes sauvages et les bêtes domestiquées et les animaux de façon générale, voire même les insectes. Et Allah tabaraka wa ta'ala les jugera, ces animaux-là aussi. Et il donnera à la bête qui a été opprimée, attaquée injustement, le droit de reprendre ce qu'on lui a donné. Jusqu'à ce qu'il donnera au mouton sans corne le droit de se reprendre ce que le bélier lui a donné comme coup avec ses cornes. هذا هو العدل الذي لأجله قامت السماوات والأرض. C'est ça la justice. Cette justice qui fait que les cieux et la terre tiennent. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Quand Allah Ta'ala dressera les balances de la justice le jour de la résurrection, aucune âme ne sera lésée, opprimée. والكافر يشاهد هذا يرى هذا المشهد بعينيه يرى الشاة الجماء يقتص لها من الشاة القرناء. فبعد ذلك يقول الله تعالى لهذه الحيوانات كوني ترابا فتعود ترابا. فيقول الكافر حينئذ كما قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا إحدى التأويلات الواردة عن السلف، ومنهم من قال بل المقصود بالكافر في هذه الآية إبليس. لماذا؟ عليكم السلام. لأنه هو الذي احتقر هذا المخلوق الذي خلقه الله من تراب، وهو الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما يرى كيف أكرم الله عز وجل آدم وذريته التي اتبعت الأنبياء والرسل تمنى أن يكون قد خلق من تراب كهذا الذي أبى أن يسجد بين يديه بعدما أمره الله تعالى بذلك. هذا قول نقل عن بعض السلف، هذا قول نقل عن بعض السلف. Donc, comme on l'a dit, Allah Ta'ala ressuscitera les animaux. Et chez les animaux, il y a des animaux, on va dire, pacifiques et des animaux violents. D'ailleurs, c'est pour cela, les ajli dhalika nuhina an akli as-siba' an al-asad wal-namir wal-fahd wa mashbaha dhalik. Liannaha hayawanat zalimah. تقتل غيرها وتأكلها ظلما وعدوانا، والذي يأكل مثل ذلك
يتأثر من طبع هذه الحيوانات فيصير مثلها ظالما وجبارا. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a reçu l'interdiction de manger de la viande des fauves. On n'a pas le droit de manger des animaux prédateurs comme les lions ou les tigres ou les panthères ou autres. Sauf une. Qui la connaît ? Il y a une exception à la Reslek. Il y a une exception. استثناء واحد أبيح لنا أكله من السباع. Une seule exception qu'on a le droit de manger chez les prédateurs, les fauves. Il y en a un, il a levé la main déjà. Qui d'autre connaît la réponse? Personne? La hyène. الضبع كما احنا نقولوا في البلاد الضبع. انا كنعقل حيت كنت صغير شيخ فران ندير شي مسالات وتقولي الوالدات الضبع وانا ما نعرفش شنو معنى الضبع حتى كبرت وبديت نقرا شويه الفقه وداك الشيء وقريت قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الضبع من الصيد فتعلمت معنى هذه الكلمه واتيت امي وقلت لها يا امه شنو هو الضبع هذا قالت لي ما اعرفش يا ولدي قلت لها هو الضبع وريت لها في التليفون هو الضبع اللي احنا صغار ونكبروا نسمعوا الضبع عفى الله عنا وعنهم على كل حال الضبع سريان pour les chez nous quand on était petit on a tendance les parents ont tendance à dire à leurs enfants quand ils font des bêtises mais bêtes ils leur disent الضبع الضبع سريان. C'est comme nous on dirait en français, t'es bête ou quoi? C'est dans ce sens-là. Et moi, j'ai jamais su ça voulait dire quoi, t'es dba, quand j'étais petit. Et je pensais que ça veut dire t'es bête, c'est tout. Et en grandissant, un jour, on lit les hadiths et on voit que le prophète, il parle de dba, de la hyène. Et on découvre qu'il s'agit de la hyène. Alors, je vois ma mère, je lui dis, attends, tu sais c'est quoi dba? Elle me dit, non, je sais pas. Il y a beaucoup d'expressions comme ça qu'on dit, nous, au bled. Les gens ne savent pas ça veut dire quoi. Bzef. بحال مثلا يقولوا نعطيك اللقوة شكون يعرف شنو هو اللقوة هنا القوة لا مش القوة تعرف لا ولكن هذا فرع من لا هذا المعنى اللي عندنا احنا في المغرب ولكن المعنى الصحيح الأصيل الفصيح تاع هذه الكلمة الموجودة في القواميس ماشي هذه القوى لا ولكن قطع الصوت وحد يجيف هذا فرع يترتب من هذا القوى مرض شلل الوجه شلل الوجه يعني ما يقدرش يحرك ولا شيء في وجهه واحد حيت يكون مشلول في وجهه ما يقدرش يتكلم وما يقدرش يتنفس وشحال سمعنا الله عطاك القوة ولا لا والله عجيب ضروري تخبي يجي وكو دي عجائب ils disent des mots ça passe ça veut dire quoi et le pire c'est qu'ils les disent tout le temps et un exemple ce que je viens de dire ici des mamans des fois celles qui beaucoup elles ont ce genre d'expression disent à leurs enfants quand ils font trop de bruit الله عطاك القوة qu'Allah te donne القوة. Mais beaucoup d'entre eux ne savent pas ça veut dire quoi. Alors il y en a qui disent ça veut dire tu ne peux plus parler. D'autres disent tu ne peux plus respirer. Ce n'est pas faux parce que ce sont des conséquences du sens principal du mot. Mot qui au passage est un mot arabe pur. Quand tu vas dans les dictionnaires, comme les scènes arabes du Mandour, tu trouves ce mot-là. Ça veut dire une paralysie faciale. Regarde jusqu'où ils vont les arabes quand ils veulent crier sur leurs enfants. Qu'Allah il te donne une paralysie faciale. Et quand tu es paralysé du visage, tu ne peux plus respirer, tu ne peux plus parler. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sha'n an-nisaa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Qulna wa lima dhalika ya Rasulullah? Qala tukthirna al-la'n. Tukthirna al-la'n.
Et le prophète a dit aux femmes, alayhi salatu wassalam, vous êtes celles qui occupent la plus grande place en enfer. Et dans tous les, parmi les habitants de l'enfer, la majorité ce sont des femmes. Il dit pourquoi, ya Rasulallah? Et parmi les raisons qu'il leur a données, vous multipliez la malédiction. Allah il'an, Allah il'fa'al, Allah il'atayk, Allah il'dirlik. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والمشكلة أن الرجال يسمعونهن ولا ينهونهن عن ذلك. Et le problème c'est que leurs maris les entendent parler comme ça, dire à leurs propres enfants Allah il'an, Allah il'atayk, Allah il'dirlik, et eux ma humash hana, y a personne. Fdar, dar khawiya. C'est pas grave, il ne dit pas Allah il'dirlik. Excusez, tais-toi, ne dis pas des choses comme ça. Il laisse. Et après, il vient te voir à la mosquée. Al-Fqi, qu'est-ce que tu as fait dans le Qur'an? Hein? Je n'ai pas de travail. Je suis malade. Je ne peux pas me marier. Je ne peux pas me marier. Ya, c'est ma mère. Elle a demandé à Dieu de te faire. C'est ma mère. Je vais voir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Wallah, des gens, après, toute leur enfance, ils ont grandi. Et leurs parents leur disent quoi? Qu'Allah te maudisse. Qu'Allah te fasse, qu'Allah te donne, qu'Allah te prenne, qu'Allah te fasse tomber malade, qu'Allah te fasse mourir. On a entendu ça pendant des années. Et après, Msakin, ils viennent à la mosquée, ces gens-là, ils ont une vie, Msakin. Ma fille Hamay et Chef. Ils sont là, ils sont. Mkarfsin. Et ils viennent, ils te disent quoi? Frère, s'il te plaît, tiens, lis-moi un peu de Coran dans l'eau, j'arrive pas à me marier. J'arrive pas à trouver du travail, il m'arrive avec des problèmes, ma voiture elle, veut pas, elle tombe toujours en panne, pourtant elle est neuve, j'ai changé tout. Et elle veut... il m'a dit ça, Mskin. Il m'a dit ma voiture elle est jdida, ça fait 4 mois qu'elle est fiha. Je fais que ma aïnak chez Hassid. Wallah, alim. Elle mouhim. Il vient, il te dit ça, je fais, ahi, va voir ta mère, mon frère. Va lui demander à elle, avec lui du Coran. C'est Balak, peut-être c'est sa faute dans cette galère-là. Si c'est pas elle, c'est ton père. Si c'est pas ton père, c'est wahad de la famille, le wahad akhar, wala hawla wala quwwata illa billah. Wallah ya ahbab, yasmahou li nkhrouj chouya min al mawdou', lakin hadha shay muhim. Ya ahbab, hna aïchin fi l'na'na layla nahar. Hal tatasawwarouna hadha? Nahnu muslimoun wa aïchin fi la'natillah layla nahar. Hadouk nas لوالديهم هما الذين طلبوا من الله أن يلعنوا أولادهم وما نتكلموش في هذه الأعمال السيئة التي تستوجب نزول اللعنة على فاعليه وهي كثيرة جدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة قاع شحال من النساء ومن الرجال يفعلون هذا النمص أي يحيدوا حواجبهم أو شيئا منه أو الوشم معروف. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك صنفان من أمتي لم أراهما رجال على أكتافهم سواط كأذناب البقر يضربون بها الناس ورجالا ونساء كاسيات عاريات مائلات مؤملات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لم يدخلن الجنة ولم يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا إلعنوهن فإنهن ملعونات. يا أخي ملعونين في كل مكان. أنت في دارك تقرأ القرآن وتمشي للجامع وتصلي في الوقت وربما مرتك ملعونة، ربما أولادك ملعونين، ربما أنت ملعون، ربما انت ملعون متعرفش، ملعونون وهم لا يشعرون. وبعد هذا يرفعون أيديهم إلى الله يدعونه فلا يستجيب لهم. علاش؟ لأنهم ملعونون. هل هذاك اللي شرى الدار بالربا ولا شرى السيارة بالربا ولا كاع شرى الصدادر بالربا؟ سبحان الله يا أخي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله لو أخذنا نسرد هذه الأمور التي بسببها يكون الناس في لعنة الله ربما احتجنا إلى ساعات بل أيام وليالي وأسابيع وأشهر.
Wallah, mes frères, c'est pas le sujet, mais c'est important ça. On s'en rend pas compte, mais on est constamment plongé dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas rien. Si la malédiction d'Allah c'était rien, Allah il aurait pas dit à Iblis, اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. C'est pas rien le la'na. C'est pas rien. Il n'a pas dit Allah à Iblis quand il a refusé de se prosterner, وإن عليك عذابي أو إن عليك عقابي أو إن عليك غضبي. Il a dit لعنتي. Ma malédiction, t'as plus de rahma, Allah il te prive de sa rahma subhanahu wa ta'ala. Et il y a plein d'exemples. Autour de nous, il y a des gens maudits partout. Et des fois, ils sont très proches de nous. Des fois, ils sont chez nous, avec nous, dans nos maisons. Les femmes qui s'épilent les sourcils. Et les hommes aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui s'épilent les sourcils. Dans les mosquées, ou Hartala, j'étais à la mosquée après la prière. Je me retourne, je fais zikr. Il y a un frère en face de moi, je regarde comme ça, il me regarde. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la configuration de son visage, il y a un truc qui ne va pas. Je regardais comme ça, deux fois, trois fois, et j'ai compris en fait, il avait les sourcils épilés. Subhanallah. Donc les femmes, les hommes, ils s'épilent les sourcils. Ils s'épilent quoi, la poitrine ? Ça met l'autre côté, on en reparlera si tu veux à la fin du dars. Et le tatouage, c'est devenu la mode maintenant. C'est devenu la mode. Les gens, ils se tatouent. Les hommes et les femmes, pareil. Les perruques. Ah, il y a ça aussi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-musta'asila. Al-wasila wa al-musta'asila. Celles qui se mettent des rajouts dans les cheveux, là. Ah, on en voit plein. Tawana, donc, comme ils les appellent, les beurettes, les maghrébines, tawana. Tu la vois avec une chevelure, elle marche dehors dans la rue, on dirait une pub pour un shampoing. Et c'est même pas ses cheveux. C'est même pas ses cheveux. Adam, ça fait la la'na d'Allah sur toi, ça. Et les exemples, ils sont nombreux. Wallah, ils sont nombreux, wallah. On parle même pas de ceux qui font le riba. Aujourd'hui, le riba, c'est devenu normal. C'est eux qui viennent te voir et te disent, « Wulda, lâche-moi de chérir. Chérir. Garde-la, chérir. Chérir, c'est ça. » C'est ça l'argument aujourd'hui. Ils viennent te voir et te disent, « Alors, t'habites où ? » ?»« J'habite là-bas. » Oh, t'as un pavillon, là, un appartement, un appartement. Ah, t'as acheté ? T'as vu ma tête ? T'as vu la voiture dans laquelle je suis venu ? Je suis acheté avec quoi ? Après, ils te disent, après, pourquoi t'achètes pas ? Achète ! Tout le monde achète maintenant, pourquoi t'achètes pas ? Je sais pas ce que c'est haram. Tout simplement. Après, ils te disent, ouais, mais Fri Foulani, il a autorisé. Et après, Allah Ta'ala, Rabbi, il a interdit. C'est tout. Tu peux pas, moi, smahli, Allah, il me dit, c'est haram. Ah, il vient après, il me dit non, Yéjouz, c'est tout. Ah, c'est bon, je le suis. Ça veut dire que demain, Fri, il dit aux gens, Yéjouz, shurbul khamr, shurbul khamr. Vous allez courir, shurbul khamr. Et un autre, il va dire, Yéjouz, dzniou, c'est où dzniou ? Tu me suis où dzniou ? Non, c'est marqué dans le Coran, la taqrabu zina. Et c'est marqué, yamhaqullahu riba. L'interdiction de riba, elle est pire que celle de zina. Dans le Coran et dans la sunna. Mais il a fallu que quelqu'un vienne dans une mosquée ou ailleurs, ou je ne sais pas où. Il a dit, Yajouz. Ou j'aboulna hadihi l'hujja d'dahida hadi. Gallek, ou la kibrit ma ouladek flacité, ou la dek ykhrujoum oujin. Ben merci pour nous, hein. Ahna kibrna flacité, ahna. Ou les kibrif le pavillon, subhanallah alayhi kibir mrabbi. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette hujja là? C'est ça qu'on a trouvé comme argument. Ceux qui grandissent en cité, ils sortiront tordus, mais ceux qui grandissent en pavillon, eux, ils sortiront bien. Vous pourrez éduquer vos enfants mieux. Zama, garde les enfants des musulmans, dont les parents, ils ont des pavillons, ils sont tous à la mosquée, là. Non, ils ne sont pas à la mosquée, là. Là, ils sont en train de préparer le réveillon, là. Papa Noël, il va passer bientôt, là. C'est le contraire. C'est le contraire, Wallah. À la kulli hal, c'est des exemples parmi tant d'autres. Brebesh, pour que vous vous rappeliez que la li'ana, elle est partout. Et Wallah. La la'na, elle est partout. Mal'ounina aynama thuqifu. Où qu'ils se trouvent, la la'na, elle est avec. Ce qu'il dit, il est chez lui en train de lire le Coran. Avant d'aller dormir, il fait un peu de dhikr, quelques raka'at, et sa fille.
elle a le brushing, elle a la dernière lotion de volume pour les cheveux en dégradé, quatre couleurs différentes, du plus foncé au plus clair. Elle est en train de mettre ses lentilles de contact et du parfum avant de sortir dehors. Elle lui fait, elle Walid, radim ta'tal chouya de lila. Et lui dit quoi? Asseri binti l'arda alik. C'est pas vrai? Wallahi, c'est vrai. Et vous savez que c'est vrai. Elle est là, elle va voir son père, parce qu'il est en train de lire le mousraf comme ça. Elle est prête pour aller en soirée. Elle lui fait, papa, je vais tarder un peu, m'attends pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Et lui, il lui dit quoi? Vas-y, binti, qu'Allah soit satisfait, toi. Hadi, rabbi, rada ali, hadik. Hadik. Celle-là, Allah, il va satisfait d'elle. Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Wallah, tu sais, chez Hawaj, tu dis, c'est pas possible. Aïna uqulu al-nas. وماذا فعلتم بعقولكم؟ Mais c'est pas possible. Mais où est passé votre عقل؟ Où؟ على كل حال باش تعرفوا عن الخطورة التي نحن فيها. Pour que vous sachiez le danger dans lequel on se trouve. لعنة. لعنة الله. حسبي الله. نعوذ بالله من لعنته. عافانا الله من لعنته. عافنا الله وأهلينا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا من لعنته. ما تخلوش لعنة الله تدخل في بيوتكم. Ne laissez pas la lana d'Allah entrer chez vous. Ne laissez pas la lana d'Allah descendre sur vous. Mais لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. Toi tu appelles. Si seulement tu appelles, si seulement tu as devant toi quelqu'un de vivant, mais apparemment il n'y a pas de vie chez ceux que tu appelles. Ça c'est un vers de poésie. نعود إلى الآية. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وسبحان الله الذي يقرأ التاريخ ويقرأ السيرة. ويعلم ما كان يصدر من قول فيه استهزاء وازدراء وسخرية من قريش وأضرابه فيما ينزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. هكذا قالوا. أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فها هم اليوم يتمنون أن يكونوا ترابا لكن لا تحقيق لرغبتهم ولا إجابة لدعائهم. يتمنون ويتحسرون ويندمون ولا تحين مندم ولا تحين مندم. سبحان الله كتشري القرآن وما تشري étudie un peu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu vois quelles étaient les paroles qui émanaient de Quraysh et de ceux qui étaient comme eux à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam, comme dans le but de se moquer de lui et de prendre en raillerie, en dérision les versets du Coran qui descendent sur lui et qui informent les gens qu'ils vont être ressuscités et qu'ils vont être jugés et qu'ils vont être rétribués pour leurs actions et qu'ils resteront éternellement soit au paradis, soit en enfer. Eux, plutôt que de prendre cela sérieusement, ils ont préféré s'en moquer. Et après, on retrouve ces paroles dans le Coran. Toujours, ils font référence au turab, à la terre. Parce qu'Allah nous a créés à partir de terre. Et on redeviendra de la terre après notre mort. Et donc, il disait, est-ce que quand on sera de la terre, nous et nos ancêtres, on ressortira de la terre? Est-ce que quand on sera de la terre et des eaux, on sera ressuscité? Non. Ils n'ont pas voulu croire. Et les voilà, après avoir été ressuscités, les voilà, à souhaiter être de la terre, ne jamais avoir été créé. إِمَا أَنْ يَتَمَنَّا أَنْ يَعُودَ تُرَابًا أَنْ يَصِيرَ تُرَابًا كَمَا كَانَ مَصِيرُ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ يَتَمَنَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ خُلِقَ مِنْ قَبْلُ قَطْ فيبقى ترابا. Soit il espère redevenir de la terre, comme c'est le cas des animaux qui vont
être transformés ainsi après leur, qu'on leur ait donné leurs droits, les uns envers les autres, ou soit carrément il aurait espéré ne jamais exister. Jamais. De toujours rester de la terre. Toujours. Et ne pas devenir un être humain comme Allah Ta'ala l'a créé. Wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Mais ce jour-là, personne n'exaucera tes souhaits. Personne ne répondra à ton appel. Tu vas être ressuscité et tu vas être jugé et tu vas être rétribué pour tes actes et tu vas goûter éternellement au châtiment de l'enfer. Tu n'en sortiras jamais. Tu souhaiteras mourir et périr, mais tu devras subir ce châtiment pour l'éternité. هكذا انتهت هذه السورة المباركة. بعدها سورة النازعات. سورة النازعات وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيها قوله تبارك وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. والنازعات جرت الكلمة لوقوعها بعد واو القسم. هنا يقسم الله تبارك وتعالى بالنازعات وبالناشطات وبالسابحات، والله تبارك وتعالى له أن يقسم بما يشاء من خلقه، لكن اعلم يرحمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى لا يقسم إلا على عظيم، فالمقسم به خلق من مخلوقاته العظيمة. Ici, dans cette sourate-là, Al-Nazi'at, donc on a lu les premiers versets de cette sourate-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala, on remarque, hein, même pour ceux qui ne connaissent pas les règles de grammaire, que le mot Al-Nazi'ati finit par une kasra. Et avant ce mot-là, on a le waw. Et ce waw-là, c'est waw al-qasam. C'est le waw qui indique un serment, le fait de jurer. Donc ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il jure par النازعات et الناشطات et السابحات. Et Allah Azza wa Jalla, il jure, subhanahu wa ta'ala. Et lui, il jure sur ce qu'il veut de ses créatures. Mais sache qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il jure sur une de ses créatures, c'est que cette créature-là est une créature grandiose et particulière parmi toutes les créatures. Et il ne jure pas sur tout et n'importe quoi. Alors que nous, خلافا لنا فلا يجوز لنا أن نتألى إلا بالرب سبحانه وتعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما قال عليه الصلاة والسلام. وما أكثر ما نسمع من بعض المسلمين أنهم يحلفون بغير رب العالمين مقتدين في ذلك بشرار الخلق أجمعين ورأس أمي وعيني ولدي وحياتي وكذا وكذا. وهذا شرك أصغر وقد يبلغ بصاحبه الشرك الأكبر وإلا فهو في الأصل شرك أصغر. Quant à nous n'avons le droit de jurer que sur Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de jurer sur autre qu'Allah Azza wa Jal. Ni sur le prophète, ni sur la Kaaba, ni sur la Mecque, ou bien la Mecque de Dieu, comme on peut entendre les jeunes de la cité, la Mecque de Dieu. Pourquoi il y a une Mecque il y a le Coran de la Mecque aussi. J'en passe et d'autres. Vous les connaissez, la tête de ma mère, les yeux de mon père, les cheveux de ma soeur, les dents de mon frère.
Pourquoi pas? Continue, allons jusqu'au bout. Ana ذات ليلة وأنا أخرج من هذا المسجد. صادفت أحد الإخوة وهو أيضا يخرج من المسجد يكلم أحد أصحابه وقال له لا مك. صدمت. والشيء الذي أدهشني مع هذا هو أن هذا الرجل أو أن هذا الرجل عفوا كان ذا لحية وشعر طويل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. Une fois, je sortais de cette mosquée ici, là, j'étais à l'extérieur, et j'ai croisé quelqu'un, un jeune, ceux qui généralement font cette grosse erreur, qui parlait avec quelqu'un d'autre, il lui a dit « La Mecque, c'est vrai !» Et on sait, les jeunes, qu'on dise « La Mecque », ils jurent sur la Mecque. Ça m'a choqué. Mais ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'il avait une barbe et des cheveux longs. Comme quoi aujourd'hui, « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله ما كنت تجهله ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي كما قال الشاعر. Les jours prochains te dévoileront des choses que tu ignorais et te ramènera des informations des gens à qui tu ne pensais même pas. على كل حال prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui jure qu'il jure sur Allah ou qu'il se taise. Et il a dit celui qui jure par autre qu'Allah, il a fait de l'association mineure ou de la mécréance mineure. Heureusement, ce n'est pas de la majeure, parce qu'il y aurait beaucoup qui ne seraient plus musulmans aujourd'hui. Même si dans certains cas, il est possible que jurer sur autre qu'Allah atteigne le degré d'association majeure ou de mécréance majeure. Donc ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Comme salam. Surtout quand on sait que ce n'est pas une habitude récente. Je veux dire vieille, pardon. C'est récent que les musulmans ils jurent comme ça sur tout et n'importe quoi. Parce qu'ils imitent d'autres personnes qui font partie des pires créatures ici-bas. Ils ont laissé le modèle du prophète alayhi wasalam pour imiter les gens qui ne sont même pas dignes d'être cités. Wallabibu bil isharati yafhamu. Donc, faites attention. Wa khudhu على أيدي من يقع في هذا. Et si vous entendez quelqu'un dire ça, interdisez-lui. Ne le laissez pas dire ces choses-là. أنا أذكر كنت في مصر دخلت حدا الدكاكين وكان رجلا يحدث وكان هناك رجل يحدث صاحب المحل وكان يتكلم بين كل كلمتين والنبي كذا والنبي كذا والنبي كذا وأنا بجنبه يغلي صدري كما يغلي الماء في القدر. فقلت له يا أخي لا تحلف بالنبي, النبي ينهاك أن تحلف بغير الله. فنظر إلي وأحسست بوجود ملامح الغضب في وجهه لكنه استحيا مني ولم يقل شيئا. والشيء بالشيء يذكر. أحد المشايخ يحكي لنا أنه كان في مجلسه فقام رجل وقال له يا شيخ والنبي عندي السؤال. فقال الشيخ يا هذا ألا تدري أنه من الشرك والكفر أن تحلف بغير الله وأن تحلف بالنبي, اتق الله ولا تحلف بالنبي. فقال الرجل يا شيخ والنبي من بقاش نحلف بالنبي. هكذا يعني طبايع الناس. Une fois j'étais en Égypte et j'étais dans un magasin, il y a un homme qui parlait avec le vendeur et tous les deux mots والنبي والنبي par le prophète par le prophète par le prophète. Il ne jurait que par le prophète. Alors j'attendais à côté de lui, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, il craint Allah. On ne jure pas sur le prophète. Le prophète est interdit de jurer sur autre qu'Allah. Tu n'as pas le droit de jurer sur le prophète ni sur qui que ce soit d'autre. Tu jures que sur Allah ou tu te tais. Il m'a regardé, j'ai vu son visage se crisper de colère. Mais malgré tout, il n'a pas osé me répondre. Ça m'a rappelé qu'un shirk
il nous avait raconté que durant une assise, il y a un homme qui s'est levé et a dit « Cheikh, par le prophète, j'ai une question à te poser. » Le cheikh dit « Quoi ? Par le prophète ? On ne jure pas sur le prophète. C'est interdit. C'est la mécréance de l'association. Tu ne dois jurer que par Allah ou te taire. Par Allah ou te taire. Ne fais plus cela. » L'homme a dit « Ah, d'accord. Par le prophète, je ne jurerai plus sur le prophète. » Il a dit ça. فلا يجوز لنا أن نحلف بغير الله أبدا. يقول عبد الله بن مسعود اسمعوا هذه الكلمة رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني احسن نحلف بالله ونكذب من أن أحلف بغيره ونقول الحق. هذا لا يعني أنه مزيان واحد يحلف بالله ويكذب، لا، لكن بين الأمرين هذا أخف من الآخر. ابن مسعود رضي الله عنه يجي كنت بس الفغول je préfère jurer par Allah et mentir que jurer par autre que lui et dire la vérité. Pour que tu comprennes la gravité de la chose. Ça ne veut pas dire que tu peux jurer sur Allah et mentir. Non. Mais ça veut dire qu'en termes de gravité, en termes de gravité, c'est pire que de jurer sur autre qu'Allah, même si tu dis la vérité, que de jurer sur Allah et de mentir. On sait tous que c'est grave de jurer sur Allah et de mentir. Eh bien, c'est pire encore que de jurer sur autre qu'Allah, même si tu dis la vérité. « Wa nazi'ati gharqa » Salam adullah. « Wa nazi'ati gharqa » النازعات اختلف المفسرون في المراد من هذه الكلمة. النزع عند العرب له معاني كثيرة، له معاني كثيرة. من معاني العرب أو مما عرفته العرب في معاني هذه الكلمة الجذب بشدة أو برفق، بشدة أو برفق. وإذا جر الرامي قوسه ليرمي سهمه سمي جره للسهم نزعا. كذلك النجم الذي يطلع في الأفق ثم يغيب تسمى هذه الحركة نزعا كذلك. السلام. فللعلماء عبارات كثيرة في تفسير النازعات، لكن المشهور عند أكثرهم هو أن المقصود به الملائكة. الملائكة أو الملائكة حالة كونها تنزع الأرواح عند موت ابن آدم. فكما تعلمون الناس ينقسمون إلى طائفتين، المؤمنون وغيرهم. السلام. وعند الموت يأتيهم ملك الموت لقبض أرواحهم، فإما أن يقبضها بشدة وإما أن يقبضها برفق وسهولة. والنازعات غرقا، وغرق هنا بمعنى إغراق، فهو اسم مصدر بمعنى المصدر إغراق، يعني ينزعها بقوة فيغرقها. وقد مثلوا بمن يضع السفود في الصوف المبلول. ما هو السفود؟ السفود هو المسمار البالي. عليكم السلام. الذي أصابه الران، الذي أصابه الران. فخذ صوفا مبلولا نفازق وأدخل فيه المسمار المصاب بالران، هذا أمر ممكن. المطلوب منك بعد ذلك إخراجه أو إخراجه من هذا الصوف المبلول. لا يمكن لك ذلك إلا بقوة، وإلا بتمزيق ما بداخل الصوف. والنازعات غرقا أي الملائكة التي تنزع أرواح
غير المسلمين بشدة وقوة فهم يتألمون بألم لا يعرفه إلا من عاشاه وذاقاه، نعوذ بالله منه. النازعات غرقا، le mot نزع en arabe a de nombreux sens. Parmi les sens du mot نزع, le fait d'enlever, de retirer. D'arracher. Arracher, ça veut dire enlever, mais avec une nuance supplémentaire. Mais à la base, c'est enlever. Après, ça peut être arraché avec force, comme ça peut être soutirer, retirer avec douceur et facilité. D'ailleurs, parmi les sens, comme salam, parmi les sens que les Arabes donnent au mot naz'a, ils donnent al-muhtadir. Je connais al-muhtadir. Alladhi huwa ala firash al-maut. Celui qui agonise, celui qui est en train de mourir, yaquluna anhu huwa fi an-naz'a. Ils disent qu'il est en train de mourir. Ils appellent ça naz'a, l'agonie. Ils appellent aussi l'étoile qui apparaît à l'horizon, hein, qui lorsqu'elle monte, lorsqu'elle se lève, puis se couche de l'autre côté, ils l'appellent aussi naz'a. Tout comme ils appellent le mouvement que l'archer fait lorsqu'il tire la corde de son arc avant de lancer sa flèche. Ils appellent ça naz'a. Et plus il tire, plus je veux dire, il tire la corde, et plus on dit yughriq. C'est-à-dire il tire jusqu'à plonger sa flèche le plus loin possible pour la lâcher et pour qu'elle aille le plus loin. Wa kama qalu rubba ramin non rubba musi rubba isabatin min ghayri rami. Hada lahu qissa lakin nadhkuruha fi mawtin akhar. Et ça, c'est les différents sens que les Arabes attribuent au verbe naza'a. Et tous ces sens-là, ils se rejoignent. Parce que l'étoile, quand elle apparaît, puis elle disparaît, elle fait un mouvement. Elle traverse une voie dans le ciel. Elle apparaît à un endroit, puis elle disparaît à un autre. Et pareil pour l'archer qui va tendre son arc afin de lancer sa flèche. On a toujours ce mouvement qui fait que la flèche se déplace vers l'intérieur avant de partir. Hada muhim, hada rakizu alayhi, gardez-le en tête. Puis, les savants, la majorité d'entre eux, nous disent que nazi'at, ça fait référence aux anges. Mais pas n'importe quels anges. Parce que comme vous le savez, al-mala'ika lahum wada'ifa, ou lahum wada'if mukhtalifa. Les anges ont de nombreuses fonctions. Et parmi ces fonctions, il y en a qui sont chargés de récupérer les âmes des êtres humains. Allah dit « ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون » ويقول « قل يتوفاكم ملك الموت » C'est l'ange de la mort qui vous fait mourir. Et il dit « c'est des anges, nos messagers, nos envoyés qui vous font mourir ». Parce que l'ange de la mort, il n'agit pas tout seul, il a avec lui des assistants. Et l'ordre de base, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yatawaffakum. Ou yatawaffal anfusa hina mawtiha. Donc l'ordre, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala dès le départ. Lillahi l'amru min qablu wa min ba'd. Puis, il envoie les anges pour accompagner l'ange de la mort, qui va être lui chargé de retirer l'âme. والنازعات غرقا غرقا on va dire se noie. Lorsqu'il les retire, elles se noient. Qui elles? Les âmes. Les âmes de qui? De ceux qui n'avaient pas la foi. Lorsque la mort arrive, l'ange de la mort se présente à eux et ils le voient. Ils voient l'ange de la mort et ils voient les autres. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Lorsque l'âme arrive à l'hulqoum, on les a transformés en amygdale. C'est pas loin. L'hulqoum, c'est la gorge.
La trachée ou la tranchée? La trachée. Lorsque l'âme donc, arrive à la trachée, est sur le point de sortir, et vous, à ce moment-là, vous regardez. Donc lorsque l'âme est sur le point de quitter le corps, l'homme ou la femme voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les anges qui accompagnent l'ange de la mort qui vont récupérer ton âme. Malaikatul Rahmah ou Malaikatul Adhab. Ou Malaikatul Adhab. Les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment. Fahinaha tafraqu ar-ruh fatatafarraqu fi jami'i ajza'il badan تغرق فيه فيضطر الملك إلى أخذها ونزعها بقوة هذا معنى قوله والنازعات غرقا. Lorsque l'homme toute sa vie n'a pas cru, moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas aux anges, je ne crois en rien, et le jour où l'âme elle est sur le point de quitter son corps, le voici qu'il voit avec ses yeux ce en quoi il a refusé de croire toute sa vie, des anges. Et pas des anges qui lui annoncent une bonne nouvelle. Des anges qui sont là pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Les anges du châtiment. Comme جاء وصفهم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه سود الوجوه معهم مسوح أو مسوح من نار. Ces anges-là, ils auront les visages noirs. Et ils auront avec eux des linceuls de l'enfer dans lesquels ils recueilleront leurs âmes. Quand lui verra ça, il sera pris d'une frayeur immense. Alors son âme refusera de sortir. Et comme on l'a vu avec l'arc, avant de tirer l'arc, de tirer la flèche, pardon, tu tires la flèche et la corde, ensuite tu lâches. Et bien de la même façon, l'âme s'enfuira dans toutes les parties du corps qu'elle pourra atteindre, en espérant que l'ange ne puisse pas l'attraper. Mais elle oublie que cet ange-là, c'est Allah qui l'a envoyé et qu'il n'échouera pas dans sa mission. Alors il la saisit et il l'arrache de là où elle se tenait à l'abri. Et d'ailleurs, dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un exemple pour qu'on comprenne. Prends une pelote de laine. Tu vois, la laine, c'est épais. Et trempe-la dans de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement mouillée. Ensuite, trouve un clou rouillé. Pas un clou tout propre, tout net. Non. Un clou rouillé. Vous avez vu que la rouille qui recouvre le métal, a tendance à créer des sortes d'épines autour d'elle. Donc la surface du métal, elle est plus plate. Elle est plus lisse. Non. Alors prends ce clou rouillé et enfonce-le à l'intérieur de cette pelote de laine mouillée. Tu y arriveras. Ça rentrera. Puis, ensuite, essaye de l'extraire, de l'enlever. Tu n'y arriveras qu'à condition de, premièrement, y mettre beaucoup de force, et deuxièmement, de tout déchirer à l'intérieur. Eh bien, l'âme de cette personne-là, lorsque l'ange l'arrachera, elle s'accrochera à ses entrailles, elle s'accrochera à tout ce à quoi elle peut s'accrocher. Et en sortant du corps, elle déchirera tout à l'intérieur. De la même façon que la pelote de laine sera détruite par la sortie du clou mouillé. C'est-à-dire que ces personnes-là, lorsqu'on arrache leurs âmes, elles se noient dans des douleurs inqualifiables et indescriptibles. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yajoudu bi nafsihi. يدخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيراه يتألم
فيقول له يا رسول الله إنك لتوعك كما يوعك الرجلان من إنك لتوعك وعكا شديدا فيقول له صلى الله عليه وسلم أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم فيقول عبد الله رضي الله عنه ذلك لأن لك الأجر مرتين يا رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أجل ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يدخل أصابعه في إناء فيه ماء ويمسح به جبينته الطاهرة لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ويقول علي رضي الله عنه إن طعن الرجل بألف سيوف أو بألف سيف أهون عليه من سكرات الموت. Le prophète lui-même صلى الله عليه وسلم alors qu'il était en train de mourir, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه rentre le visiter une dernière fois avant de mourir. Et il le voit souffrir énormément. Alors il lui dit, Ya Rasulallah, tu souffres beaucoup. Et le prophète lui dit, oui, je souffre comme souffriraient deux hommes parmi vous. Alors Abdullah lui répond, est-ce parce que tu dois, parce que ta récompense est multipliée par deux? Et le prophète lui répond, oui. Et avant de mourir, il avait un récipient, une écuelle dans laquelle il y avait de l'eau fraîche, où il trempait ses doigts et il les passait sur son front. Et il disait, la ilaha illallah, certes la mort a des tourments, des affres, une agonie douloureuse. Et Ali radiallahu anhu, il disait, se faire poignarder par 1000 épées est inférieur aux douleurs qui accompagnent la mort. Ça c'est pour le mu'min. Qu'est-ce qu'on doit dire de l'autre? Qu'est-ce qu'on doit dire de l'autre? قال تعالى والنازعات غرقا ces anges هذه الملائكة التي تنزع أرواح هؤلاء التي أغرقت في أحشائها وأمعائها خوفا وفرقا من مصيرها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ces anges qui sont chargés d'arracher ces âmes qui se sont noyées au plus profond de leurs entrailles dans le but d'échapper à cet ange parce qu'ils savent très bien à ce moment-là que ça y est, tout ce qu'on leur a dit avant et ce en quoi ils ont refusé de croire, eh bien c'est la vérité. Atahum al-yaqin walakin la yanfa'uhum dhalika fi hadha al-waqt. À ce moment-là, la certitude leur est parvenue, mais ça ne leur sera plus d'aucune utilité. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَنَتْرُكُ الْحَدِيثَ إِلَى الدَّرْسِ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Et on laisse, on continuera la prochaine fois, إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Est-ce qu'il y a des questions? تفضل أخي. نعم. أيوة. On a dit tout à l'heure que celui qui veut quitter l'assemblée, il demande la permission avant de le faire. C'est le comportement à avoir pour celui qui assiste à l'assemblée. Il se lève pas sans rien dire et il part. Regarde, quand on était petit à l'école, est-ce qu'on pouvait partir de la classe comme ça? C'est pas possible. Tu demandes la permission avant de sortir. Et si jamais tu as l'audace de te lever et de partir sans faire ça, bah tu vas avoir des problèmes. C'est comme la dernière fois, on avait un petit jeune. Parce que le fils du frère, il était là et il mâchait un chewing-gum. Et je lui dis, mange pas de chewing-gum. Est-ce que tu manges du chewing-gum à l'école? Il m'a dit non. Ici aussi, il faut pareil. Ces règles-là qu'on nous a appris quand on était petit à l'école, il faut les respecter. C'est la même chose ici. On doit même plus les respecter ici qu'ailleurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour répéter ce qu'on a dit tout à l'heure.
que chez la plupart des fuqaha, quand il y a un majlis comme celui-ci, on ne rentre pas en disant assalamu alaykoum à voix haute comme ça, en dérangeant tout le monde. Tu dis assalamu alaykoum à quelqu'un côté de toi là, va baraka alaykoum, c'est bon, khalas. La sunna, tu passes le salam à une personne, ça suffit pour les autres. Tu lui dis doucement sans déranger les autres, hada huwa al matloub. C'est ça qui est voulu. Tfadal habibi. Malade. Et va. هذا السؤال وجيه. امرأة مريضة سقط من رأسها شعرها. هل يجوز لها لبس أو لبس الباروكة؟ فمالاد كي a perdu ses cheveux, qu'elle peut porter la perruque. العلماء disent que la illa, c'est-à-dire la cause dans l'interdiction de porter une perruque, réside dans deux choses. الأول تغيير خلق الله, changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seconde, الخداع, trahir, tromper les gens. Et à partir de là, certains ulama ont autorisé à la femme, dans le cas que vous avez cité, de mettre une perruque que pour son mari. C'est-à-dire seulement quand elle est avec son mari. لأننا نتوقع من أخواتنا المسلمات ألا يخرجنا إلا وهن محتجبات. Parce que nous, dans notre façon de voir les choses, on sait que les femmes musulmanes, quand elles sortent dehors, elles sont couvertes. Elles ne laissent pas les hommes voir leurs cheveux. Il n'y a que les hommes de leur famille qui peuvent les voir ainsi. Donc dans l'intimité avec son mari, pour ne pas qu'il soit, comment on pourrait dire ça, proprement, gentiment, poétiquement, pour ne pas qu'il soit... qui s'éloigne d'elle, en la voyant ainsi, elle peut porter une perruque dans ce cas-là seulement. C'est pas elle en met après sort dehors et puis elle fait Zama, j'ai des beaux cheveux. Là. Wallahu a'lam. Khlas ? Tfadl. Juste en disant, je te jure. Eh, Akhil Karim, je te jure, sans préciser sur quoi on jure, Allahu a'lam. La adri, je sais pas. D'ailleurs, en revenant au bon François, au beau français, il y a des expressions qu'on dit souvent sans se rendre compte, sans savoir que c'est des façons de jurer. Comme quelqu'un dit ma foi, ça, chez en ancien français, c'était une façon de jurer. D'ailleurs, on en profite qu'il y a beaucoup de monde là, même je sais que c'est l'heure, mais on répète surtout à nos jeunes frères des quartiers, les jeunes de la cité, qui jurent sur tout et n'importe quoi, qui craignent Allah dans leur façon de jurer, et qu'ils ne jurent que sur Allah ou qu'ils se taisent, ni jurent sur le Coran, ni sur la Mecque, ni sur la Mecque de Dieu, ni sur la tête de sa mère, ou les yeux de son père, ou les pieds de sa sœur, ou les dents de son frère. Ils ne jurent sur rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, où il se tait. Celui qui a juré sur autre qu'Allah, il a fait de l'association ou il a fait de la mécréance. Donc qu'il fasse attention quand il s'exprime. Et si quelqu'un ne te croit pas, eh bien laisse-le. On s'en fiche. Tu n'es pas obligé de jurer sur tout. Regarde, subhanallah, où on en est arrivé. Tu jures par Allah, il ne te croit pas. Tu jures sur la tête de ta mère, ah d'accord, il te croit. Ajibad. Normalement, tu jures sur ce qui a le plus de valeur pour toi. Sur ce qui est le plus important pour toi. Jure par Allah. Ouais, mais tu jures toujours sur Allah. Jure sur la tombe de ta mère. Vas-y, la tombe de ma mère, c'est vrai. Et après, il le fait. Voilà. Voilà comment un morceau de pierre, chez lui, a plus de valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères, mes jeunes frères, et vous venez des fois à la mosquée, je vous ai déjà entendu. Faites attention avec vos langues. C'est la langue qui fait rentrer les gens en enfer. Namaré. Ah, je ne voulais pas rentrer dans le tafsil. C'est une bonne question. Parce qu'il y en a, ils vont te dire, mais le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est un de ses attributs. Et on a le droit de jurer sur les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, dans le hadith, Iblis, dans le Coran, Allah ta'ala, il nous rapporte sa parole. Qala, sinon il y a Fabi'izzatika. Fabi'izzatika. Il a juré sur la izza d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith al-Qudsi, wa izzati wa jalali. Mais Allah, il joue sur ce qu'il veut. Et dans le hadith de
dans le hadith de Ukasha. Non, pas le hadith de Qatada rahimahullah, il a dit qala bala wa izzati rabbina. On a le droit de jurer sur les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sifatihi al-kalam wa al-Qur'an kalamullah. Donc celui qui quand il jure sur le Coran, il pense à l'attribut d'Allah qui est la parole, ce ne sera pas interdit. لكنني استبعد تمام الاستبعاد ان شبابنا الذين يحلفون على القران ينوون هذا فلذلك احببت ان ابقي الموضوع مغلقا. Mais je crois pas que les jeunes qui jurent sur le Coran ou le Coran de la Mecque, ils ont des Corans spéciaux, il y a le Coran de la Mecque et il y a le Coran d'ailleurs, c'est pas la même chose. Sur le Coran de la Mecque, c'est pas pareil. Ces jeunes-là, je ne pense pas qu'ils aient cette intention quand ils jurent sur le Coran. Surtout quand on voit sur pourquoi ils jurent. Ah. Le Coran, j'ai acheté du shit 15 euros. C'est sur ça qu'ils jurent. Le Coran, wallah, des choses invraisemblables. Du haram, mahd. Ils jurent sur le Coran. Tu jures sur le Coran, ce qui n'est égal à rien fi dunya. Il n'y a rien qui égale au Coran, rien. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'en sers pour jurer sur quelque chose que tu as volé, quelque chose de haram, et t'en es fier en plus. Est-ce que tu réfléchis un peu? Est-ce que ce que tu as dans la tête, ce qu'on appelle un cerveau, il fonctionne? Ou bien ce que tu fumes toute la journée, il te l'a détruit complètement? Remettez les choses à leur place et craignez Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.